Saviez-vous qu'en Argentine, le logement peut être jusqu'à 15 fois moins cher qu'aux États-Unis et qu'au Pérou, vous pouvez vous déplacer presque partout pour moins de 40 centimes ? Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les 10 pays où vous pouvez vivre comme un roi avec seulement 1000 dollars par mois. Nous avons étudié le coût de la vie dans ces pays, en prenant en compte des éléments essentiels comme la nourriture, le logement, les transports, ainsi que l'économie locale et l'environnement naturel. Voici ce que nous avons trouvé. 10. Indonésie. L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, est également l'un des plus abordables. Avec plus de 17 000 îles, ce pays d'Asie du Sud-Est est un véritable trésor de diversité culturelle et naturelle. Chaque île a sa propre identité, ses propres traditions et ses propres paysages, offrant une expérience unique à chaque visiteur. Avec un coût de la vie moyen de moins de 500 dollars par mois, vivre en Indonésie, notamment à Jakarta, est beaucoup moins cher que dans les grandes villes occidentales. Jakarta, la capitale, est une métropole dynamique où l'ancien et le moderne se côtoient harmonieusement. Les gratte-ciels modernes se dressent à côté des marchés traditionnels, créant un contraste fascinant. Vous y dépenserez 60% de moins qu'à New York ou Londres, ce qui signifie que votre argent ira beaucoup plus loin. Imaginez pouvoir profiter des mêmes commodités et du même confort pour une fraction du prix. 40% de moins qu'à Berlin, une ville connue pour son coût de la vie relativement bas en Europe. En Indonésie, vous pouvez vivre confortablement sans vous soucier constamment de votre budget. Et 50% de moins qu'à Melbourne ou Singapour, deux des villes les plus chères de l'hémisphère sud. En comparaison, l'Indonésie offre un excellent rapport qualité-prix. La cuisine indonésienne est un vrai régal, avec des repas simples à moins de 2 dollars. Des plats, comme le nasi goreng, le satay et le rendang, sont non seulement délicieux, mais aussi incroyablement abordables. Les marchés de rue regorgent de saveurs et d'arômes qui éveilleront vos sens. Et des courses mensuelles pour moins de 50 dollars si vous préférez cuisiner. Les marchés locaux offrent une variété de produits frais, des fruits exotiques aux légumes croquants, à des prix défiant toute concurrence. En outre, le pays offre de magnifiques plages à Bali et Lombok, avec un accès facile grâce à un système de transport économique. Les plages de sable blanc et les eaux cristallines sont parfaites pour la détente, la plongée et le surf. Bali, en particulier, est une destination de rêve pour les amateurs de soleil et de mer. Les courses en taxi coûtent moins de 50 centimes par kilomètre, ce qui rend les déplacements en ville très abordables. Vous pouvez facilement explorer les différents quartiers de Jakarta sans vous ruiner. Les billets de bus, 36 centimes, ce qui est incroyablement bon marché par rapport aux standards internationaux. Les bus sont un moyen de transport populaire et pratique pour les habitants et les touristes, et un abonnement mensuel pour les bus, environ 14 dollars. Cela vous permet de voyager de manière illimitée à travers la ville sans vous soucier des coûts supplémentaires. Un appartement d'une chambre en ville coûte moins de 300 dollars, offrant un logement confortable et abordable. Ces appartements sont souvent bien situés, proches des commodités et des transports en commun. Et un appartement de 3 chambres, environ 700 dollars. Idéal pour les familles ou ceux qui recherchent plus d'espace, ces appartements offrent un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez donc profiter d'un style de vie de luxe en Indonésie avec 1000 dollars par mois. Imaginez vivre dans un endroit où vous pouvez vous permettre des sorties régulières, des repas au restaurant et même des escapades de week-end, tout en respectant un budget modeste. L'Indonésie est véritablement un paradis pour ceux qui cherchent à maximiser leur qualité de vie sans sacrifier leur portefeuille. 9. Bolivie. La Bolivie, un pays enclavé d'Amérique du Sud, se révèle être une destination économique pour vivre. Ce pays est riche en culture et en histoire, offrant une expérience unique à ceux qui choisissent de s'y installer. Pour un peu plus de 500 dollars par mois, vous pouvez maintenir un niveau de vie confortable. Cela inclut non seulement le logement, mais aussi les dépenses quotidiennes comme la nourriture, le transport et les loisirs. Les repas typiques coûtent environ 2 dollars, ce qui permet de déguster la cuisine locale sans se ruiner. La cuisine bolivienne est variée et savoureuse, avec des plats comme le salteña, le picmacho et le silpancho. Tandis qu'un repas complet avec diverses options vous reviendra à 12 dollars, offrant une grande variété de choix pour satisfaire tous les goûts. Les restaurants locaux proposent souvent des menus du jour à des prix très abordables. Avec une bouteille de vin local à environ 3 dollars, la Bolivie est également connue pour ses boissons traditionnelles comme le singani, un spiritueux local, et la chicha, une boisson fermentée à base de maïs. Le transport est également très abordable. Les courses en taxi commencent à 75 centimes, ce qui permet de se déplacer facilement dans les villes sans dépenser une fortune. Et les trajets en ville à 27 centimes. Les systèmes de transport public, comme les bus et les téléphériques, sont également très économiques et bien développés. Pour le logement, vous pouvez louer un appartement d'une chambre avec toutes les commodités pour moins de 300 dollars, ce qui est idéal pour les célibataires ou les couples. Ou opter pour un condo luxueux de 3 chambres pour environ 6 à 800 dollars. Ces options de logement offrent souvent des vues imprenables sur les montagnes et les paysages environnants. En somme, 1000 dollars suffisent pour vivre confortablement en Bolivie. Ce budget permet non seulement de couvrir les besoins de base, mais aussi de profiter des nombreuses activités culturelles et de loisirs que le pays a à offrir. Que ce soit pour explorer les marchés colorés, visiter les sites historiques ou simplement profiter de la nature, la Bolivie offre un cadre de vie agréable et abordable pour tous. 8. Népal.
Le Népal est connu pour son coût de la vie bas et ses dépenses mensuelles accessibles. Ce pays, niché dans les majestueuses montagnes de l'Himalaya, offre une expérience de vie unique et enrichissante. Les paysages à couper le souffle, les rues animées de Katmandou et les marchés locaux vibrants ajoutent à l'attrait de ce pays fascinant. Avec un budget un peu supérieur à $500, vous pouvez vivre confortablement. Un repas quotidien coûte environ $2 et manger dans un restaurant chic vous reviendra à $5. La cuisine népalaise est riche et variée, avec des plats comme le dal bhat, les momos et le chow mein qui sont à la fois délicieux et abordables. Les vendeurs de rue offrent des snacks savoureux à des prix dérisoires, permettant de goûter à une multitude de saveurs sans se ruiner. Faire les courses pour le mois coûte moins de $50. Les marchés locaux regorgent de produits frais, des légumes aux épices, en passant par les fruits exotiques. Les transports sont également très économiques. Les courses en taxi sont d'environ 34 centimes pour 5 à 10 km. Les trajets en bus 22 centimes. Et la location d'une voiture pour une journée coûte seulement $1. Les bus et les taxis sont facilement accessibles et permettent de se déplacer aisément dans les villes et les villages. Un appartement dans un quartier agréable des villes locales coûte environ $140 par mois. Les options de logement varient des appartements modernes aux maisons traditionnelles, offrant un large éventail de choix pour tous les goûts et budgets. Même avec les frais de santé à environ $40, les services publics et des luxes comme l'emploi de domestiques, vous pouvez vivre confortablement avec moins de $1000 par mois. Les soins de santé sont abordables et de bonne qualité, avec des cliniques et des hôpitaux bien équipés. En somme, le Népal offre une qualité de vie exceptionnelle à un coût très raisonnable, faisant de ce pays une destination idéale pour ceux qui cherchent à vivre une aventure unique sans se ruiner. Le Vietnam, situé en Asie du Sud-Est, est connu pour son coût de vie bas, tout en offrant une qualité de vie élevée. Vous pouvez vivre agréablement avec un budget mensuel de $500 ou plus. Dans des villes comme Ho Chi Minh, le coût moyen est d'environ $865 par mois. Les repas raffinés coûtent environ $300 par mois, les frais de transport $60 et un appartement d'une chambre de style occidental environ $400. Les services publics sont à $70 et les dépenses supplémentaires autour de $35. Avec tout cela, vous bénéficiez d'un excellent rapport qualité-prix pour une vie confortable. En Argentine, le coût de la vie est modéré, environ 50 à 60% moins cher qu'aux États-Unis. Vous pouvez vivre luxueusement avec environ $1000 par mois. Les restaurants proposent des menus réduits pour $8 et faire les courses au marché coûte moins de $20. Les taxis coûtent moins d'un dollar par mile et les bus locaux entre 25 et 50 centimes. Pour un appartement de 3 chambres dans une ville argentine, le coût est inférieur à $400, soit environ 15 fois moins cher qu'en Californie pour un niveau de vie équivalent. Vous pouvez donc profiter d'un mode de vie somptueux pour une fraction du coût. Le Pérou est une destination économique où vous pouvez vivre grandiosement avec un budget mensuel de $1000. Un appartement d'une chambre coûte environ $360 par mois et un luxueux appartement de 3 chambres moins de $700. Les repas dans les restaurants sont à $3 ou environ $10 pour un repas complet de 3 plats. Faire les courses pour le mois coûte moins de $50 et le transport public est très bon marché. Environ 38 centimes par trajet et $15 pour un abonnement mensuel. Avec seulement $56 pour les services essentiels, vous pouvez vivre confortablement avec $1000 par mois. Le Mexique, souvent prisé des retraités américains, est un pays économique où vivre. Le coût moyen de la vie peut être inférieur à $745 par mois. Vous pouvez louer un bon appartement pour environ $375 par mois et vous régaler avec de la cuisine locale pour moins de $300. Les frais de transport s'élèvent à environ $20 par mois. Avec ces coûts, vous pouvez mener un style de vie luxueux au Mexique. Eda 3. Malaisie. La Malaisie offre un coût de la vie bas tout en garantissant une qualité élevée de vie. Le coût moyen, hors loyer, est légèrement inférieur à $500 par mois. La location d'un appartement d'une chambre varie entre $300 et $500. Les frais de transport mensuels sont inférieurs à $50. Et les soins de santé coûtent moins de $30. La Malaisie est donc une destination prisée pour les étudiants et les expatriés, en raison de son excellent rapport qualité-prix. 2. Costa Rica. Le Costa Rica est réputé pour ses plages et ses forêts tropicales. Mais saviez-vous que le coût de la vie est d'environ $1000 par mois? Le marché immobilier est 64% moins cher qu'aux États-Unis, avec des appartements de 2 chambres pour environ $400 par mois. Les utilités coûtent environ $50 et la nourriture environ $200 par mois. Les frais de transport sont également minimes, avec environ $40 pour se déplacer sans voiture. C'est une excellente option pour vivre bien avec un budget raisonnable. 1. Cambodge. Le Cambodge est notre premier choix pour un coût de la vie abordable. À Phnom Penh, vous pouvez vivre luxueusement avec environ $800 par mois. Le loyer est bas, avec des appartements confortables à environ $300. Les repas peuvent coûter jusqu'à $11, mais les frais de transport sont très bas. Le Cambodge est accueillant pour les étrangers et bénéficie d'une économie soutenue par le tourisme. C'est un endroit idéal pour vivre confortablement avec moins de $1000 par mois. Saviez-vous qu'il existe des pays où vous pouvez même recevoir de l'argent pour y vivre? Découvrez les meilleures options en regardant notre vidéo.